Mais on a tiré le coup et ma belle a naomité. Je suis allé à la maison. Même aux gangs, on a fait des kimia. Mais au long de ma casse, retenu, elle donnait la valeur à son métier. Lorsqu'elle a eu le groupe sans on a partagé. Chers internautes de partout où vous nous suivez, bonjour, bonsoir. Tout cela, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de partout où vous êtes. Avant de continuer, avant de poursuivre, nous tenons à saluer la patronne, celle qu'on appelle Cœur en or. Et là, nous sommes à ce plateau spécial, ce grand plateau spécial. Je suis accompagnée de notre invitée spéciale qui est juste à côté de nous. Elle s'appelle Blanche Katende, qui va nous parler d'un événement, d'un décès. La Bible nous dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et cette portion de l'écriture vient de s'accomplir. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour rendre un dernier hommage. Et nous vous signalons déjà que c'est la ENTV, Élisée Ntoumba TV, qui vient rendre ses derniers hommages à cet artiste que nous allons découvrir ensemble avec notre invité spécial. Bonsoir. Bonsoir madame. Déjà, vous pouvez nous situer de là où nous sommes. Là, nous sommes au deuil de notre artiste comédien Naomi Kipulu, juste là, à côté de la salle polyvalente Anjili. Okay. C'est situé après l'église Shekinah, après le saut de mouton. Il y a une salle là qui est là, on est en train de pleurer notre artiste Naomi Kipulu. Et déjà, vous avez compris de quoi il s'agit. Il s'agit de la mort, du décès de cet artiste. Cette étoile qui était montée par les concours des circonstances, le Seigneur a repris cette personne qu'il avait donnée. C'est Naomi Kipulu. Et juste avec vous, nous allons découvrir comment s'est déroulé l'événement. Nous allons avoir plus de précisions concernant son décès et un peu plus avec vous. Pouvez-vous nous dire comment les choses se sont déroulées jusque-là? Comment c'était? Comment cette situation de la mort est arrivée? Bon, bisous au Vanda qui est NTV, à Salak Bagagne à Soukawana. Et au Vanda qui, après la fête au décembre et Noël, au Vanda qui a eu une nouvelle que Akenda qui Mwanda, à partir de Mwanda Kunande, à se noyer qui n'a piscine, le 3 décembre, à se noyer qui n'a piscine, des places, et même là qui est Luana, et en haut, tu as qui a rendu hommage à la famille. Déjà, situation corps et saison à qui corps est dans la moins date. Bon, corps déjà et y a qui est dans la cinquantenaire. Et là, déjà dans la cinquantenaire, il y a qui déjà depuis, il a déjà exposé dans la cinquantenaire. Ah, tu es juste un peu à veiller pour obtenir sa corps ou en lobby pour en recevoir un programme tous beaux en lobby. Pourquoi fait sa programme dans quelques mots pour te dire que les avaient comme veiller mortuaire, famille, na ba camarade, ba sanga na salo na kati. Et au cours rappelé programme peut-être na bateau ba lundi bisoka de cours ba éviter comment ça se passe ba bandose la programme quoi c'est programme bon programme ezamoko ezak que lelo le 16
le 16, il y a veillée mortuelle, il y a des conabiso Naomi Kipulu. Lobby le 17, il y a enterrement naé. Corps et bima lobby na 9h na cimetière, il y a 5 na morgue à 50 ans. Et puis tu as au na nécropole. Au plus tard, bah heure, il va passer 6 heures. Bon, 11h déjà, corps est long, déjà na morgue et l'équipe église, après église né et qui cimetière. Nous venons de réaliser que Toboum ici artiste Moko a marqué ton aïe. Déjà dans ses derniers passages à l'école na ENTV na Bagag naïe, nous avons découvert les talents qu'elle avait, les talents qu'elle renfermait. Cela veut dire que à travers na bateau, azala na bateau à travailler qui na bango ba artiste comédien mususu na famille au ba ko zanga te liloba moyo loba. En termes, il y a dernier hommage, il y a Muto Baboum ici. Et juste là avec vous, Tokoko Tanakati, pour nous recevoir quelques mots, quelques témoignages, il y a des camarades, il y a Ina, Batanga, des camarades, il y a quartier, Bandeko, famille. Juste avec vous, on va recevoir cet élément. En tout cas, nga Naomi, azalaki camarade na Makas. Naomi, azalaki très gentil. Oh, y a pas nanga. Tolia, Tomela, Noki Pipa Nae Bango, Nolia, Nazo Mela, Yokutabande Colambe la même nga. Tozolia, Tome Sengo, Ambia, Cesala Kinebi, Jou Monte Totskalo de Stena Naomi, de Mata Parle. Et à te kepo, de Batbalo Basom, Takufi, Akomi, Bakomi, c'est non. Naomi, Azale vraiment moutou malam ponangai. Ataku tu muntu akoya ko témoigner ma bébé na ya zate non c'est mal nga na batutu azaki malam ande ko jouer rôle né na théâtre bien na baninga né pe na ina kuna zaki bien azaki bien na muntu nyonso tout donc eloko ya ya souvenir nantika ngo et pas Naomi nga na o raisonner na zo sala ken ele lisanga a chef andor lo balanga ka Amina tata batu bazui ba présenter nga yo ando benga amishuga Je vais vous présenter un peu de temps, 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 je vais vous présenter un peu de En tout cas, Naomi, n'habitez. Comment on a les longs nantimate? Que nantimate cause à la boue? Oui, ils ont tout au koufa. Mais nantimate a brisqué boue. Ou kaka moutakoufi, moutakoufi les deux. On a encore les trois, on a encore ma bébé. On a les nommés pendant 5h, 11h30. Bat papé qui s'en a repé sa joie en aliaté. Aliaté n'a pas kate. Kosa n'a kamar n'a eu mon abatou bakoufé la batre chia, wa y passe pas yo kaka. N'a eu mon an a Naomi. Je ne sais pas si tu es en train de te faire. Je ne sais pas si chaque jour je suis en train de te faire. Je suis en train de photo. Je suis en vidéo. Je suis en train de te faire. 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 Sono sukandeni talaga na ndimi na lala lebi na tongo na asuna leve di ko na ke compagnie ti côté botika e kono ko tika kama na ngaboete en tout cas que son âme repose en paix. Bon, ça sera un peu difficile hein, de parler de Naomi. Donc je suis monsieur Guilain Mbaou communément appelé Oxygène, là c'est mon nom de scène, Oxygène, je suis le secrétaire général de l'ANTPC, qui est l'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma, qui est présidée par le président Massou, qui est présidée par M. Massoumou.
Vous savez, Naomi a évolué également dans le monde ce que nous appelons le théâtre populaire. Théâtre populaire, donc Naomi Azakiwana, Azali Moko, Alekina Groupe Sans Souci, Tango Liwe Kozoye, Azalaki actrice au sein du groupe Vita Vie, il y a Ndeko Nabiso Omar Kabongo. Donc, Azo faire partie de la grande famille Wana à théâtre populaire. J'ai connu Naomi et Razaki dans le groupe Sans Souci. Naomi, sa façon dont elle jouait donc, très bien. Une petite sœur, une sœur pas proche, mais très proche. Je venais parfois même pendant la bandale, on partageait. Lorsqu'elle n'a pas le groupe Sans Souci, on a partagé. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal parce que Naomi, même au sein de la corporation Nabiso, au monde, Naomi n'a pas vraiment tout. C'est pas parce qu'elle a Koufi. Elle était toujours souriante à ses caca. C'est ça Naomi. Nala wana kotoyé mingi vraiment. Un jour même je te présente et pas maman na biso, maman ou taï Congo santé ayaki. A présenté n'est pas maman, maman voilà, c'est oxygène tout ça. Donc c'était vraiment bien. Donc c'est ce qui a retenu mingi ya Naomi. Azaki mutumoko ya mutema munene. Même aux gangs, on a fait kimia. Mais au lieu de ma casse n'a retenu, elle donnait la valeur à son métier. Ce qui est toujours à répétition, quel que soit quel rendez-vous, en tout cas, Naomi va dire non. Ce qui est au lieu de la casse, c'est à répétition. Ou bien, Mikolo, la répétition, ça sera difficile. Elle donnait vraiment de l'importance, de la valeur à notre métier. Donc, au lieu de ma casse, sur le plan professionnel, on a retenu à Naomi Yangwana. Nous profitons au nom de l'ANTPC, qui est l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, de présenter nos condoléances à sa famille biologique ainsi qu'au groupe Vita Vie, où ils allaient au groupe Naé, où ils allaient jouer avant à Tikabiso. Bon, merci d'abord. Comme on a Enoch Maeke, Enoch Ngoy Maeke, Naé Banina, Naomi Kipulu. Personnellement, c'était en 2017 lorsque je me suis inscrit à l'INA, dans le département art dramatique, dans le jeu 1. Parce que Bissot et Naomi Kipulu déjà tant aux Nabandaku, Naba télévision, dans le groupe Sans Souci. Et personnellement, lorsque je me suis inscrit à l'INA en 2017, Azaki na promotion na biso affinité Azaki comme collègue et tout, on a partagé de très bons moments parce que je me souviens récemment na film moro ya collègue à promotion Neville Bokenga a joué qui na film né Cyber Fantôme ngai nazala ingénieur de son na film wana. Donc c'est quelqu'un to bien vraiment. Et lorsque le lot na se rendre compte que tu y es non pas dans le mariage ou bien dans la cérémonie moro, mais tu y es que l'élaïe et ça passe à mon thème. Moi c'est Cédric Romain, je suis artiste cinéaste. Naomi Kipulu, je l'ai connue à l'INA, elle était à l'INAS d'abord, le secondaire ou l'humanité de l'INA. Ensuite, quand elle est arrivée en G1, elle a joué dans un film que j'ai produit et j'ai réalisé. Elle était parmi les artistes ou les comédiens qui ont joué dans mon film. Bon, Naomi Azale qui Muninga était peut-être dans le cadre de Moussala Azamuninga. Bon, Naomi, moi je peux dire si je suis là, c'est par rapport à Oya Azalaki. Ozomona, si on peut battre Baye Bele, c'est beaucoup plus lié à la personnalité à Naomi. Des fois, si on a vu le barabolamunae, depuis que je l'ai connue, elle a interprété dans mon film. Donc, Azamut, Azanon a bolingo abatunyo surtout. Et puis,
elle était abordable. C'est facile à approcher. Donc, surtout dans ce qui concerne Marambo Art. Parce que tu vois, dans l'art, des fois, on a un projet, mais on a un moyen. Elle est toujours là, prête à soutenir le projet des autres, malgré à ta bambou. Donc, voilà, il y a un peu de temps pour nous rouler. Donc, je vois vraiment la plupart des catégories. Il y a bateau qui a mis en place. Il y a un bateau qui a mis en humanité. Il y a un bateau qui a mis en place. Il y a même avant Bissot. Tout le monde est venu. C'est parce que Naomi c'était quelqu'un de très bien avec tout le monde. Donc apprendre vraiment l'Iwana. Moi, on ne m'a pas informé directement. J'étais parmi les bateaux qui identifiaient l'information sur les réseaux sociaux. Donc, on a mis beaucoup sur Facebook. Notification, on t'a identifié. On t'a l'identification pour Naomi Akufi. Donc, vraiment, c'est triste. Et surtout, dans Akufi, dans la famille, vraiment déçu dans le Kambo. Ouais, en fait, Naomi, c'est ma collègue. On est tous les deux des actrices. On est aussi des cinéastes, je peux dire. De ma part, moi, je suis actrice, je suis aussi scénariste. Et j'ai travaillé avec Naomi dans un projet-là de viol. Donc, moi-même, j'avais décidé qu'elle soit l'actrice principale dans le film parce que je connais de quoi elle était capable. Elle avait du talent. Non seulement avoir du talent, elle était respectueuse et elle était sociale. Donc, nous, dans ce milieu, on a envie de travailler. On avait, je ne sais même pas si je dois parler au passé ou au présent ou au futur, je ne sais pas. Ce qui est sûr est qu'avec Naomi maintenant, on va parler du passé. Parce que du présent, elle n'est plus avec nous. Ce que je peux dire d'elle est qu'elle reste, elle restera plutôt une fille dont, je ne sais pas comment dire, c'est une personne dont tout le monde... Aimé, ouais, c'est ce qu'on peut dire. En fait, on a eu à travailler aussi avec lui. Et... Naomi, c'est une collègue de travail, une aînée scientifique à l'Institut National des Arts et une bonne personne que je connais. Naomi, j'ai eu à travailler avec elle dans un projet de film, Viol, comme vient de le dire Amy. C'était pas ma première fois de voir Naomi sur scène, mais... Ce jour-là, j'avais eu des moments à partager avec elle. C'était des moments merveilleux. Elle nous faisait rire. Elle nous faisait rire. Quand je parle, je vois ces moments. Elle disait des trucs marrants. Pour sa disparition, on a un regret. De perdre une étoile qui brillait dans le ciel. Naomi avait du talent. Naomi avait de l'avenir. On est vraiment triste de voir qu'elle est partie si tôt. Donc, je manque même le mot à dire pour elle. Ce que je garde d'elle, c'était une bonne personne qui nous a émerveillés avec son talent. Elle a vraiment fait de merveilles choses dans ce monde du cinéma. Bon, en fait, pour moi, je n'ai rien à dire. Oezaka kaké, appréciation, c'est parce que pour nous les chrétiens, la mort, c'est notre gain. Normalement, c'est notre gain. Naomi Kipulu, c'est une amie qu'on a passé des moments aussi difficiles. Te conserva qui parfois na ma kamnyo se zaraka ma bena malam na tonga malam na tonga ma be to partager qui n'est pas moment difficile aza parmi ya ba mi oyo to partager n'est pas moment difficile zambe akanisa ene lo moko le lo ezaye lobi parfois ko kyoza nga on sait jamais ko lobela mutu ka malam ba lobela mutu malam ka ka te soki akufi mais pour na ye na za grave na ngo premièrement. C'est parce que c'est une amie oyo a marqué dans la vie, na ba conseil na ba marambo ebele. Vraiment na osenga kaka ya loba mingi ezate na osenga côté moli mona kei. Ah Naomi. Zambe. Na Bible c'est biblique, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui ôte aussi. Ce qui a joui, ye mora ebi le pourquoi. Mais na za créateur te na un simple créateur. Na mawana nga parfois na kotambo na ba conduite na nga Nzambe pa kanisa. Membre moko ya ba mina nga o akeyi que la terre de nos aïeux est vraiment
malamu pona ye. Chers téléspectateurs, tous sur la nanabino, les points de vue, les réactions des proches, bao bazala kina Naomi Kipulu 200 vivants. Et tout de suite avec vous, on va faire une petite critique avec notre envoyé spécial qui va nous dire son point de vue par rapport à toutes les réactions de Yoki tout à l'heure. Tozu ba point de vue ya baninga na ya ina tozu ba point de vue ya baninga na ya batanga na bleu blanc mususu ya ba venir balobi vraiment en tout cas Naomi c'était une bonne personne azala ki une personne vivable c'était une personne qui s'est donné de la peine pour les autres il s'est soucié des autres azala ki vraiment bien côté wana baninga na ya artiste ba pesi ba point de vue na bango en tout cas dans rôle nyoso Naomi banda ki ko incarner en tout cas très bien. Et c'est un peu ce témoignage au Tikali Nango de Naomi, de son vivant. Ah oui, ce qu'on peut retenir de Naomi Kipulu, c'est que c'est quelqu'un de très convivial. Toutes les personnes au Balobi, ils ont dit en tout cas, elle restera gravée dans nos cœurs. Une phrase au Balobi, la mort n'effacera jamais l'amour que tu as placé dans nos cœurs. En tout cas, oui, ah oui. Nous venons de perdre Naomi Kipulu, mais en réalité, artiste Akou Faraté. Et tout de suite avec vous, on va nous redonner le programme. Et tout de suite avec vous. Ok, pour le programme, le deuil pour demain, le corps sort demain à l'hôpital du Cinquantenaire à 9h30 pour l'enterrement au cimetière de Nécropole pour la suite de demain. C'est ça comme programme. Eh bien oui, vous venez de suivre. C'est demain que nous autres, il y a de feinte Naomi Kipulu. Et Gobima la morgue à Cinquantenaire pour ensuite être enterré, être déposé à sa dernière demeure. Et nous allons chuter avec vous. Un mot de la fin. Bon, concernant moi, je dirais que Naomi, il repose en paix, que son âme repose en paix. Et je passe mes salutations à celui que j'appelle Papa Lucien Kabea depuis Washington. Je passe mes salutations à celle que j'appelle Maman Daya Kalonji. Et de ma part, je tiens à saluer Papa Michel Kabichi depuis Glasgow en Écosse, le patron de Web Site Development. Et aussi des grosses salutations, des chaleureuses salutations à la patronne ainsi qu'à toute sa famille. Et c'est ainsi que nous mettons fin à cette page, à ce plateau spécial et à suivre pour demain, que son âme repose en paix. Je ne quitte pas.